match a commencé, mais le cast n'est pas là. Parce que le cast n'arrive pas à gérer ce qui se passe. Grid, j'aurais besoin de ton aide. Il se passe le même truc tout à l'heure, donc j'arrive pas à switch sur le prochain match. Bah du coup quand je fais le suivant, l'application elle se ferme encore. Quand je fais le match suivant, l'application elle se ferme. Oui. Ah, c'était ça. Bon bah le match a commencé mais les trucs sont pas installés. Puis patientez. Ouais. 3-0. Full Zelda Pikachu. Ouais, ok, merci. Ouais, c'est bon. T'inquiète. Bah là, c'est le premier match là. C'est bien, juste ça a commencé là. Heureux. Affaire réglée. J'ai un peu d'arriver que le match est déjà terminé. C'est le joueur Inkling qui prend la première game et juste les mecs, pouvez me définir ce qui s'est passé là? Quelqu'un peut m'expliquer ce qui s'est passé là? C'est passé quoi avec la grenade là? En fait, c'est la baguette, j'ai pas tech, donc du coup, j'ai rebondi dans la grenade. Ça part, mais dans la musique 38 points, il y a des musiques de ouf quand même. Bon bah, ouais. Bon bah, du coup, comme vous avez pu voir, il s'est passé une action de ouf. Donc là, clairement, c'était pas mal ce qui s'est passé. C'était pas mal. Là, nous sommes partis du coup pour le deuxième match. Le joueur Inkling qui a déjà pris la première game. Voilà, oula, attention, ça n'a pas de tech, votre tech, monsieur. Là, nous sommes à stock égal, c'est normal, c'est le début de match. Qu'est-ce que je dis de plus? Là, c'est un changement de EPR qui a amené juste à 2 EPR. Le jeune qui sera esquivé avec un petit bas qui a bien calé. Le joueur Inkling est mis off-stage. Inkling, le rappel, quand ça recouvre sa table comme un pimp. Voilà, comme ça, c'est dit. C'est fait. Là, nous avons affaire à un Pikachu Shiny New Generation. Donc, le nouveau Shiny est désormais violet. Pour l'instant, ça a tenté Tomahawk, mais Tomahawk a été esquivé par la Spot Touch. Là, ça fait Dragon, Uptilt, Upper, Upper, F-Smash qui aura été loupé et il sera puni par une Back Throw qui mettra Pikachu off-stage, mais Pikachu qui touchera Inkling avec son Up B. Pour l'instant, nous sommes à 82 contre 122%. Le backer qui va mettre off-stage, Inkling off-stage, Inkling qui s'en sortira et qui reset le neutral. La S-Row qui sera balancée, Pikachu qui remonte et qui va accueillir Inkling avec un backer. Le donner qui sera malheureusement pas touché. J'ai plus de voix. C'est la back-throw. Le Pikachu qui a besoin d'un truc, mais malheureusement, Inkling a fait la bon choix de passer par le haut. La bombe qui a failli éclater mais que Pikachu a réussi à s'évader comme dans un film de Michael Benz.
façon, nous sommes à 3-3, 120 contre 151. De toute façon, celle-là, ça va balancer la trou. Laquelle? La down trou qui va pas tuer. Mais le prochain le fera, vu à quel point il a frôlé la blast zone. Et on fait la back throw directement. Et la back throw va tuer. De toute façon, nous sommes à 2 à 3. 147 contre 0%. Enterré, back air. Ça envoie un jab. Ça va presque entièrement couvrir. Mais le Pikachu va faire un spot dodge. Dash attack qui va faire très mal et même presque tuer. Le back air à la seconde qui va être mis sur le shield. Et qui fait le side B mais qui sera fait interrompu par le back air. Dijon qui touchera un fer qui ne ramène rien. Le side B une fois de plus réutilisé. Et c'est la Ulstro qui va tuer le Eclé de Soma. Deux stocks chacun. 38% contre 0%. Je commence à évoluer. Up tit, up air, classique. Si on me donne un euro à chaque fois que j'ai dit up tit, up air, franchement, il y a de quoi offrir un grec à tout le monde. Attention, le side B sera encore retenté, mais qui n'aimera rien. Les jeunes qui sont envoyés, mais il clique sautera dessus et mettra un cerf par une occasion. La punition grab qui n'aura pas abouti. Pour l'instant, c'est chaud. On est à stock égal. Et Kling, malheureusement, qui aura enterré un smash. Nous sommes face à 69 contre eux. Il a déjà pris 10%, il a 121. La stock pour le Pikachu de cette game. Le nerf qui n'aura pas été touché, qui ne permet pas d'aboutir à des combos. C'était au pixel près de toucher la grenade. Le backer qui sera été touché par le genre Pikachu. Le Dijon qui va toucher une fois. Le Dijon qui sera pas rebalancé. Il prendra un backer et off stage. C'est le Thunder pour Tempo. Le Dust Smash qui va être chargé mais qui va aboutir à rien car le Pikachu a utilisé la Get Up Jump. Merci le bot. Stream Element pour ta présence. Merci Shuga. Shuga, j'espère que tu fais un bon trajet. En tout cas, prends soin de toi, je te dis à la prochaine fois. Attention, pour l'instant là, Mathieu qui a pour son kill, et le upper qui va tuer à 133% et qui va donner la deuxième victoire au joueur Inkling. Est-ce que, à ce qui paraît, l'homme le plus beau du sud va-t-il pouvoir rattraper son retard de 0 à 2? Un classique cette musique mec, un classique. Et attends, c'est reparti. Le rappelant, c'est le dernier match en bas de match pour Monsieur Inkling. Je dis monsieur parce qu'on sait pas exactement de quel sexe il est vu qu'il porte un boxeur. Voilà. Et ça commence avec les backers. Backer qui mettra jusqu'à 100. Chaque contre 100, putain, 19%. Le dos qui ne passera pas. Up tit, up air. Attends, je vais tousser 2 secondes. Voilà, de retour après avoir expulsé les hélicoptères. Il fait du bien ce silence, hein? Dans ce sens, c'est un jab qui sera balancé. Là, on fait des nerfs, backer, down B qui ne touchera pas. Attention, non plus, le smash non plus, la punition n'a pas abouti. Nous sommes à 56 contre 109. Toujours même stock, droit stock. Le backer qui ne touchera pas, mais il va être rattrapé par le nerf. Le Pikachu qui se trouve très bas au niveau off-stage, mais il n'y a pas de souci car il a une bonne recovery. Là, Baxro qui va pas tuer grâce à la DI. Bien baisé sur le coin. Attention, Dragon, petite. Le Dante qui sera tenté pour faire trébucher l'adversaire. Le rouleau que malheureusement ne touchera personne. Le
Jabut qui sera cancel. Enfin, je pense que c'est pas tant que c'est un cancel, si j'ai entendu. Le Smash. Non, Smash ne tuera pas. Mais c'était Just. 101% contre 166. Là, Pikachu, il prend le moindre coup, il meurt. Si le prochain coup qu'il prend, il meurt pas. Il est pas mort. Je me vais. Il est pas mort. Je me vais. Il est mort. Je m'adore. N'est-ce pas si je suis recast. Vas-y, prends une chaise. Viens. Nous avons le joueur de Joker Senko qui nous fait le plaisir de sa présence pour ce cast. Dis bonjour. Comment vas-tu? Bien, bien, bien. Bah, comment dire, tu parles trop bas pour qu'on t'entende. Donc, faut des têtes. Bon, passons, tu seras spectateur. Ouais. En plus, le micro il est réglé à fond, donc techniquement, on peut pas changer grand chose. Mais bon, je peux te laisser gueuler pour atteindre le rouge. J'ai pas entendu le rouge. C'est-à-dire qu'il y a un truc pour régler l'écrit. Ce micro, enfin plutôt ce gestionnaire, est bien foutu. Mais bon, je sais pas pourquoi on parle de ça, il y a un match qui est en cours là. Donc pour l'instant, nous sommes à stock égal 87 contre 110. Loser final. Nous sommes en loser final, fais gaffe. Exactement, qui va affronter 8. Attention, enterré, c'est enterré, Spawn Kiss Collecton Smash. Grand final, c'est Grid. Notre genre de pitch, briseur de rêve. Genre. Là, pour l'instant, Inkling qui nous fait toujours des combos malviques. On rappelle que si Inkling gagne ce match, ira en grande finale, côté loser évidemment. Et là, c'est assez chaud là, c'est assez chaud. On sait pas ce qui passait parce que, en se dire, Inkling a l'avantage, va gagner. Certes, mais Pikachu aussi, ça peut surprendre. Même si ça tue pas, c'est chiant. Et encore, heureusement, Inkling il a une recovery qui remonte assez bien. Pas comme certains qui peuvent faire 12 liés par son pic de neutral B. Voilà. Bon. Mais pour l'instant, Mathieu qui est assez en difficulté vu qu'il est en phase de désavantage. Il est actuellement off-tage, ledge trap, le down smash, le grenade qui seront tentés qui amènera rien, mais le Bakir qui va rattraper tout ça. Pour l'instant, Mathieu est toujours en difficulté et c'est le F-6. Est-ce qu'il tue? Il tue. C'est la fin de la game. C'est la victoire pour le joueur Inkling qui est à 3-0. Et qui va dès à présent aller voir Grid. Grid, c'est à toi.